Bon, ça y est, les gars, on commence avec le squat. Donc, premier essai, barre à 200 kg validée assez facilement. Alors, comme vous pourrez le voir, les juges donnent différents ordres qu'on doit surtout respecter. À savoir que là, par exemple, avec les bras levés, les bras baissés, c'est-à-dire qu'on doit avoir les genoux tendus et verrouillés avant de pouvoir amorcer le squat en fait. Donc là, on passe au deuxième essai, donc barre à 210 kg que j'ai déjà passé à l'entraînement, donc pas trop d'appréhension sur la charge. Par contre, j'ai fait essai sur cette barre, puisqu'apparemment, de ce que j'ai compris, je me suis trop penché en avant. Donc peut-être que mes fesses se sont relevées trop vite, je sais pas. Mais à part ça, vous pouvez voir que la barre passe assez facilement. Alors, troisième et dernier essai au squat. Donc, toujours barre à 210 kg. Alors, pourquoi toujours 210 kg? Comme vous l'avez vu sur la deuxième barre et comme vous le verrez sur cette barre-ci, j'aurais très bien pu, je pense, aller chercher les 215 kg. Mais c'est tout simplement parce que, comme j'ai fait essai sur la deuxième barre, j'ai vraiment voulu chercher à valider cette barre à 210 kg et assurer la suite de la compétition. Bon, maintenant les gars, on passe au best mouvement ever, à savoir le deadlift. Non, plus sérieusement, premier essai à 240 kg, donc validé plutôt facilement. À savoir que concernant les règles sur le soulevé de terre en compétition, il n'y a pas vraiment d'ordre particulier à respecter, si ce n'est le moment où le juge vous dira down pour reposer la barre. À part ça, vous devez juste avoir les épaules verrouillées en arrière une fois la barre soulevée et les jambes tendues. Donc deuxième essai à 250 kg. Passer beaucoup plus facilement qu'un mois auparavant au championnat départemental de force athlétique. Donc ceux qui me suivent sur Instagram et Facebook le sauront puisque j'ai fait un post vidéo à ce sujet. À savoir que mon objectif entre guillemets du jour était de passer la barre à 260 kg. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai mis 260 kg en troisième essai. Peut-être que j'ai été trop gourmand. Peut-être que la fatigue nerveuse ou physique a joué, mais elle n'est pas passée. Vous allez le voir, elle a bloqué juste au-dessus des genoux, donc plus je revois cette vidéo et plus je suis dégoûté, franchement. Mais bon. Alors ça y est, on passe à la remise des récompenses. Pour un plateau de 11 athlètes en senior moins de 93 kg, je me suis classé donc 4e, à savoir que c'était vraiment très très serré. Pour vous dire, j'ai fait un total de 585 kg et le deuxième et troisième ont fait un total de 587,5. Donc ça s'est joué au poids pour eux deux. Sachant que le premier avait vraiment un très bon niveau et était vraiment loin devant. Donc Sofiane, si tu regardes la vidéo, salut à toi.
Donc à ce moment-là, j'étais vraiment assez dégoûté d'avoir fait le feignant sur ma barre à 260 kg, mais bon, le problème n'est pas là. J'étais vraiment là pour tester mes max et voir où j'en étais. Dans l'ensemble, c'est vraiment une belle saison de force qui se termine pour moi, avec des athlètes toujours au top et qui jouent le jeu à fond. Bravo à eux d'ailleurs et bravo à la fédération d'avoir organisé tout ça. Pour la suite, donc ça laisse place au nouvel objectif et réel objectif, ouais, savoir regagner le titre de champion d'Europe de culturisme pour l'année 2020 qui arrive. Alors on se dit à bientôt sur YouTube pour checker la prépa et tout ce qui suit. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et Facebook, toujours pareil, c'est le fitness. Partagez la vidéo, aimez la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt les gars. Thank you.